Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Animal Crossing New Horizon pour mon journal de bord. Nous sommes le samedi 4 avril, il est 17h58 et nous sommes à Nanajuichi 59. Pourquoi cette heure-là? D'habitude ça sonne à Shuya plus tard. Mais là les enfants, c'est la première fois que nous allons assister au concert de Keke. C'est pour ça que je vais commencer ce journal en y me rendant tout doucement. Et à 18h pile, on ira lui parler. Regardez. On peut déjà s'asseoir et profiter du spectacle. Il est là depuis ce matin. Je suis tellement contente. Oh, petit Keke. Alors, toute la journée, il a chanté différentes musiques. Mais il m'a annoncé qu'il fallait attendre 18h pour avoir le droit de choisir sa musique. Alors, on va faire comme tout le monde. On va attendre et on va voir ce qui se passe. Et après, on prendra un format tout à fait normal pour ce journal. Allez, allez, monsieur Keke. Attention, quel silence. Il est 18h. Moi, j'attends pas une minute de plus. Bonjour, Keke. Ça te dit un petit morceau à la cool? Oui, joue-moi un truc. Nickel, il y a un morceau qui te ferait plaisir. Je veux ressentir un vieux classique. Je peux ressentir un vieux classique si tu balances un titre. Ou alors si tu me dis comment tu te sens et mes papas se baladons sur le manche en brodant là-dessus. Je suis plutôt d'humeur, on va le dire. Je me sens top, un poil mal, une lunette réflexe. J'ai un peu le blues. Relax. Ouais, relax. Reçu 5 sur 5. Assieds-toi, la zik réplique. Attention, c'est le premier concert de Keke, les enfants. Voici un morceau en farniente majeur pour se détendre les oreilles, reggae de Keke. Oh, c'est trop beau. Capture. C'est dommage qu'on ait toujours les concerts sous forme de générique de fin, c'est vraiment dommage. Je vous le couperai au montage, on va pas le regarder en entier, vous inquiétez pas. C'était juste pour voir comment ça se passait. Et voilà, le concert est terminé. C'est tout choupiné, un petit peu long mais choupiné quand même. Fouillez un peu dans tes poches, il y a une surprise. C'était que du bonheur et merci d'avoir répondu présent. Oh, petit Keke. Attends, mon petit Keke, c'est pas que je t'aime pas, mais il y a un ballon, là. Viens par là, ballon. Oh! J'aimerais bien avoir encore un plan, cerisier. Eh non, c'est de l'argile. Celui-là, on s'en fiche. Alors ça, c'était le gros de ben, la grosse nouveauté de la journée. Hein. Je l'attendais avec une grande impatience. On va rentrer à la maison parce que j'ai plein de choses à vous montrer à l'intérieur. Alors, on a quoi de nouveau? Ma petite Amandine m'a envoyé une guitare. Elle m'a offert cette petite lampe cerise là au-dessus de la porte. Et là, au-dessus de l'aquarium, je récupérais ça sur une île, dans un arbre. C'est rigolo, hein? Oh, j'aime bien. On va aller voir ici parce qu'il y a eu quelques petits changements, mais ils sont vraiment minimes. Mais quand même. J'ai enlevé la fleur qui était ici pour rajouter ça. D'ailleurs, est-ce que je peux pas le tourner, ce truc? Oh! C'est génial! J'ai même pas essayé, je sais pas ce que ça faisait. Oh, c'est rigolo. Là, on a une poubelle. Et là, une lampe. Voilà. Ça progresse tout doucement. Alors le plus gros du truc, les enfants, attention, il est là-haut. Regardez, j'ai réussi à voir le sol et le mur de la collection cerisier avec les pétales, c'est juste magnifique. Regardez, on voit les pétales qui tombent sur le mur. Avec là, le petit bonsaï que j'ai reçu, ma fleur. Et ce matin, j'ai été chez Galou et j'ai récupéré là le petit siège. Qui est d'une autre couleur des miens, donc j'en ai recommandé un deuxième chez moi pour pouvoir le mettre ici. Et la table de Go, c'est... Je sais pas, moi cette pièce je la trouve, mais du coup fantastique. C'est tellement beau.
J'ai rarement vu aussi beau, quoi. Franchement, je suis trop contente. Allez, on continue. Bon, on peut quitter la maison, il n'y a plus grand-chose à voir ici. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Petite Zabou va s'arrêter 2 secondes. Pour vous montrer que plusieurs photos de moments qu'elle a partagées avec Kenny, que ce soit hier soir après le journal ou ce matin, c'est parti! Voilà, toujours il était sage, on a fait des photos toutes choupies, on a essayé de pêcher autre chose que des œufs. Mais c'était très sympa. Regardez, j'ai plein d'hybrides là. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai fait 2 îles, la première, rien à faire, pomme, hélice normale. Et la deuxième, c'est encore une fois une île aux hybrides avec des lys. Dommage, je préfère avoir autre chose que des lys, j'en avais déjà. Mais ça m'a pas empêché d'en prendre et d'en mettre partout. Je trouve ça tellement beau. Oh, arrête de foirer les pétales, Zabou. Alors là, il n'y a rien de spectaculaire par ici. Non, ça, j'avais déjà aménagé pour vous, comme vous l'avez vu sur certaines photos. Alors, je vais repartir par là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas accueilli que Kéké. D'ailleurs, lui, on fait un petit coucou au passage. Il est trop beau. On a accueilli un nouveau villageois. Et on va y aller. Et regardez ce que j'ai fait avec le remodil. J'ai fait un petit chemin qui va jusqu'à la boutique. Alors je suppose que je n'arrive pas à le mettre ici en fait, donc je suppose que c'est parce que le bâtiment n'a pas sa taille la plus grande. Parce que du côté de chez les Yed, j'arrive à aller jusqu'à la porte. Alors ça restera comme ça pour l'instant. Et puis on va se monter tout tranquillou dans le lotissement pour aller voir ce qui se passe du côté de notre petit nouveau. Alors ça y est, tous les endroits sont reliés par passerelle ou par rampe. Je pense que je rajouterai peut-être un petit pont. On a notre petit Léo ici qui se promène. Belle journée pour une promenade, non? Discutons un peu. Dis, Zabou, tu as déjà rencontré la personne qui vient d'emménager sur l'île? Je compte lui apporter meilleure friandise et lui dire « Bienvenue, tu veux goûter ?» J'ai vu dans une pub à la télé que c'est la meilleure façon de dire « Bonjour ». Mais on y va, justement. Mais j'ai quand même été déjà à la saluer aujourd'hui. Hein. Voyez ici, j'aménage tout doucement le lotissement avec des petites choses autour des maisons. Là, j'ai une petite pompe à eau. Là, je leur ai mis un petit banc. Et ça, c'est la maison du nouveau. Bien évidemment, au premier jour, il est dans ses cartons. Bajou, tant que je ne serai pas débarrassée de ces cartons, je suis bloquée ici. Tu sais quoi? J'ai presque terminé. La villa Bajou est prête, presque prête à ouvrir ses portes. Eh ben, on va voir ça demain, mon petit gars. J'aime bien ton mur, en tout cas. Oh, j'adore. Voilà, on a pas mal de petites nouveautés. Ce matin, j'ai trouvé mon premier objet perdu, d'ailleurs. C'était un sac. J'ai eu de la chance que le premier villageois que j'ai été voir, c'était lui. Donc, j'ai pas cherché très longtemps. Alors, je vais faire un petit tour par ici. Donc là, j'ai pas rajouté des brides, c'est celle que j'avais déjà. Et ça, c'est ma dernière rampe. Donc là, j'ai mis les hybrides que j'ai trouvées tout à l'heure. Là, j'ai eu mon deuxième hybride rose, la orange, juste devant moi. J'ai agrandi vers le fond un petit peu l'enclos à rose pour éventuellement laisser de la place pour des hybrides. Je pourrais encore l'agrandir un petit peu plus tard, on verra. Parce que j'ai encore de quoi, je pense, grignoter un peu d'essence par ici. Pour le reste, bah, rien de bien spécial, mais on refait un petit tour parce que j'adore cet endroit. J'ai rajouté des hybrides ici tout à l'heure. Viens ici, toi le papillon. Voilà, donc là j'ai rajouté une rangée d'hybrides. Ceux-là je les avais déjà. Les tulipes, vous les aviez vus. Et là on attend, je crois que c'est des pensées qui sont en train de sortir. Donc peut-être pour demain, voire après-demain. Alors j'ai pas trop touché à ce coin aujourd'hui, mais j'ai toujours eu autant de plaisir à m'y balader.
Alors, on va pouvoir redescendre. Parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Là, je vais vous emmener du coup au terrain de camping. Je fais juste le point sur ce que j'ai à vous dire pour pas oublier. Donc, comme tous les jours, j'ai invité quelqu'un. Toujours avec les cartes Amiibo. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe quand on en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent quand même? Est-ce que c'est moins souvent? Je sais pas. Je vais vous le présenter. Ou la présenter, je sais même plus qui c'est. Ah si, ça y est. C'est Calyptus. Je vais traiter avec le plus grand soin la terre que tu m'as fabriquée, Sandwich. Grâce à ses matériaux robustes, il devrait résister au temps, ainsi qu'à mes formidables muscles. Oh, j'étais un peu triste parce qu'il m'a demandé de lui faire une halter, j'avais déjà le plan, donc c'était pas un nouveau plan pour moi. Et la récompense, c'était une tunique, donc il y a mieux, mais c'est toujours ça de prix. Un par jour, ça me va bien, moi. On va repasser tout doucement par le centre-ville. Parce que là, j'ai quelque chose de vous à vous montrer que j'ai fait cet après-midi. Vous vous rappelez de ma fontaine? Vous la voyez, elle est là. Et regardez, j'ai fait une petite place devant. Oh, il fera bon boire le café avec les copains. Et je suis super contente, ça rend trop bien. En tout cas, moi j'adore. Vous êtes libre de ne pas aimer, mais moi je trouve ça super trop beau. Et je vais profiter de ce petit instant pour vous montrer quelques images d'une vidéo de notre voyage avec Kenny ce matin au pays de Galou. Alors vous verrez, il y a des photos et j'ai mis de mémoire une petite vidéo. Et voilà! C'était trop rigolo. Ils sont toujours un petit peu tarés, mais vous avez vu comment elle m'a transformé, mon Kenny. Il est trop chou dans sa tunique, j'adore. Franchement, je trouve ça génial. Bravo et merci à toi, Galou. On va repasser par là parce que j'ai un gros doute. Je ne sais plus si je vous ai parlé de mes petits spots qu'Elodie m'a envoyé. Alors si je rabâche, je suis désolée. Voilà, j'ai agrandi la terrasse pour pouvoir les intégrer. J'ai hâte d'éteindre ce soir pour voir ce que ça donne. Et là, on va retraverser. Donc ça, c'est l'endroit que j'avais aménagé depuis le début. Hein. Mais j'ai refait des travaux aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi. On va monter tout de suite par là. Oh, j'ai vu un gros poisson là-bas. Attendez, on se tente le poisson d'abord. Hein? On sait jamais. Des fois que ça soit un truc qui valide des sous. Bon, si c'est un bar commun, on aura juste perdu 30 secondes de notre existence, mais... Il avait l'air gros de loin, mais là, j'ai un doute. Ouais... J'en ai perdu 20 secondes de notre existence. C'est pas grave. Alors, regardez. J'ai élargi en fait le chemin qui ne faisait que 2 cases. Maintenant, il en fait 3. Pour aller directement au magasin de Layette. J'ai écarté les arbres à part celui-ci que je ne peux pas à cause des rochers qui sont derrière. Et du coup, j'ai mis des lisses partout avec les hybrides que j'ai trouvés sur l'île tout à l'heure. Comme ça, ça nous fait un beau chemin décoré. Ici, en dessous, j'ai dû rajouter une rangée de chrysanthèmes. J'ai mis ces petits bouts de bois pour séparer et j'ai replanté une rangée de ce que je crois être toujours des pensées, il me semble. Voilà, pour que ça aille bien ensemble. J'ai aussi aligné ici les arbres. Vous voyez, j'avance tout doucement. Chaque jour, j'apporte une petite touche. Et j'ai tellement peur d'arriver au bout et de ne plus rien avoir à faire que j'aime prendre mon temps, hein, tout simplement. Parce que je me régale complètement avec ce jeu. Voilà, comme je sais que normalement le magasin de Layette devrait plus évoluer, et du coup,
Je pense que comme ça, on est très bien avec nos petits arbres, nos petites fleurs. Ça fait un superbe endroit. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à attendre de voir qui je vais faire venir. Je pense que ce sera un de mes amiibos que je vais choisir comme dernier villageois. Donc, ça va me laisser du temps de réflexion. Alors, j'espère que ce petit journal vous aura plu encore une fois. Moi, je suis toujours fan de vous le faire. J'adore passer mes fins de journée à vous raconter ce que j'ai vécu. N'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires, tout plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous bien.